14. Utilisation du dissolvant pour tout sauf les ongles et noté 3, 5, 19. Votez il ne sauve des manucures à moitié retirées qui donnent des mains bien cracra et une allure négligée, mais on se doute bien qu'un produit aussi efficace que le dissolvant peut trouver d'autres utilités. Si vous vous posiez la question de savoir ce que vous pouviez faire d'autre avec votre dissolvant, vous trouverez la réponse ici. 1. Délayer la peinture. Les peintures à l'huile ou au latex peuvent retirer la peinture de beaucoup de surfaces grâce à l'acétone qui est un solvant puissant. Mais vous pouvez aussi améliorer leur texture en les diluant avec un peu de dissolvant. Regardez juste l'étiquette pour vous assurer que le produit contient de l'acétone. Vous pouvez aussi en ajouter quelques gouttes à votre Tipex pour le rendre fluide à nouveau. 2. Au moment de votre grand ménage de clavier, utilisez du dissolvant sur un coton-tige pour retrouver un clavier comme neuf. On n'abuse cependant pas de cette astuce qui pourrait effacer les touches si elle est trop répétée. 3. Certaines taches sont coriaces sur un tapis et parfois les imbiber de dissolvant quelques instants avant de rincer au savon et à l'eau peut faire la différence. 4. Imprimez vos photos sur une tuile en la déposant à l'envers dessus et en l'imbibant de dissolvant. 5. Frottez un coton imbibé de dissolvant pour dissoudre la colle que vous avez sur les mains. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le bouchon si l'ouverture est impossible. 6. Les traces de feutre, d'encre ou de marqueur indélébile ne survivent pas au dissolvant. Vous pouvez utiliser un coton imbibé de dissolvant seul pour du feutre indélébile ou un mélange d'une part de dissolvant pour deux d'eau pour une tache d'encre. On vous conseille néanmoins de faire un essai sur une partie cachée avant d'en appliquer sur vos vêtements. Certains déteignent. 7. Vos chaussures en cuir verni sont peut-être abîmées à certains endroits. Un tissu imbibé de dissolvant passé sur ces zones peut leur redonner un aspect neuf. Ça marche aussi sur les traces ou les taches difficiles présentes sur un sol stratifié ou carrelé. Page 1 sur 2 pages précédentes, 12 pages suivantes.